On continuera à être content de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté de la maison, des bureaux et que sais-je encore. Le programme, c'est naturellement Tour d'horizon, une affaire des dinosaures de l'information de lundi à vendredi 10h30, 11h52. Vous avez justement rendez-vous avec 4 jeunes journalistes camerounais qui ont décidé de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité à travers leurs commentaires, leurs analyse et leur décryptage. Nous sommes vendredi, on sera essentiellement relax. Vendredi 30 juin 2017 au Cameroun, c'est pratiquement la même date dans l'essentiel du monde entier. On ira justement jusqu'à 11h52 minutes avec vos rubriques qui sont restées intactes. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun vous sera livrée tout à l'heure par Martial Tade Owona. N'oubliez pas, on recevra également une histoire épique et bien épicée de la part de Francesco Bonga, l'un de nos officiers de réserve. Nous retrouvera tout à l'heure probablement Jean-Jacques Zeu pour ses commentaires et ses analyses. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Francesco Bonga, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Martial, bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je voudrais particulièrement dire bonjour ce matin à toutes les personnes qui ont été promues hier, notamment dans le corps de notre armée. Je voudrais notamment saluer les généraux qui ont été promus. Ils sont nombreux, comme cela, qui étaient jusque-là colonels et qui sont nom de plusieurs des généraux de notre armée. Je crois que c'est une récompense du travail bien fait. Et on a également eu vent des nominations du côté de la télévision et de la radio nationale. Je voudrais également féliciter ceux qui ont été promus à des postes de responsabilité. Je voudrais maintenant dire un bonjour sympathique ce matin à un frère qui nous écoute ce matin depuis la ville de Yaoundé. Il s'appelle Didier Milène. Il nous écoute. C'est un bon footballeur. Il se bat comme il peut. Mais c'est un vétéran. Il faut aussi l'ajouter. Je voudrais également dire un bonjour sympathique ce matin à madame le proviseur du lycée général Leclerc, madame Ntonga, qui est une fidèle téléspectatrice de ce programme. Bien des choses donc à madame le proviseur du lycée général Leclerc, madame Ntonga, qui abat un travail remarqué et remarquable. On dira naturellement félicitations, comme le faisait déjà Francis Bonga tout à l'heure. On adressera nos félicitations à nos ces désormais généraux. Il y a quelques heures, ils étaient encore colonels par décret présidentiel et deviennent généraux. Et parlant justement de ces jeunes et nouveaux généraux, on dira bonjour au général Lou Bazal. Le général Lou Bazal, qui est un fidèle téléspectateur de ce programme Tour d'horizon. De temps en temps, je lui ai dit bonjour sur ce plateau et je faisais comprendre que c'était un gendarme accompli, un militaire véritablement, qui faisait très bien son travail. Beaucoup avaient estimé que c'était des atalakou. J'espère également que le président ne fait pas les atalakou. Donc le colonel, l'ancien colonel donc, Lou Bazal, est passé général depuis hier après-midi. Félicitations mon général. Il y a également le colonel Nouma, que j'ai également connu lorsque je suis allé dans les zones du front. Et c'est lui qui pilotait l'opération Alpha. Il s'agit de cette opération du BIR pour combattre la secte islamique et obscurantiste Boko Haram. Je pense que c'est une récompense méritée. Nous avons discuté avec le colonel Nouma du côté de l'extrême nord. Et je suis également venu sur ces mêmes antennes pour dire que le colonel Nouma était un vrai militaire. Il a également été nommé général hier. Félicitations, mon général.
On ne va pas oublier le colonel Melingui. Enfin, hier encore, colonel Melingui, je pense que c'était le Kambé QG, c'est comme ça qu'on aime appeler, et commandait la brigade du quartier général. Il a longtemps travaillé aux côtés du président de la République, du côté de la sécurité présidentielle, comme étant commandant en second, donc directeur adjoint de la sécurité présidentielle. Il a été nommé hier général. Félicitations au général Melingui. On ne va pas oublier tous les autres colonels qui ont été nommés hier. Colonel Bitoté, généraux. Colonel Bitoté. Félicitations au général Bitoté. Tout à fait. Très bien. Maintenant, pour les autres colonels qui n'ont pas eu la chance, le privilège ou le prestige d'être nommés, non, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à travailler fort. Il faut continuer à travailler dur. Le président, là où il est, il sait que vous abattez un travail. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, Père Féaïssi. Bonjour, Francis. Bonjour, Martial. Bonjour à tous les nouveaux généraux. Vous avez parlé tantôt du général de brigade Pierre Loubazal. Je tiens une fois de plus à lui présenter toutes mes félicitations pour avoir suivi un peu son parcours. Parce que lorsqu'on a quand même été à la tête de la Légion de gendarmerie de l'extrême nord, connaissant justement la délicatesse et la sensibilité de cette partie du pays, avec les coupeurs de route à l'époque, et tout ce qu'on peut imaginer comme insécurité, trafic de ce côté-là, et qu'on a été promu quelques temps après commandant de la Légion de gendarmerie du centre, ici à Yaoundé. Vous savez également que être à la tête d'une institution dans la région du centre, c'est une promotion, même si après il y avait eu un cas d'injustice qui, heureusement, a rapidement été réparé. Et il s'est retrouvé commandant la Légion de gendarmerie dans une autre région sensible, le Nord-Ouest, avant d'être promu commandant la deuxième région de gendarmerie. Il reste à la tête de cette région de gendarmerie, confirmée hier par le chef de l'État, cette deuxième région de gendarmerie qui est la plus importante, qui coiffe quatre régions, le littoral, vous savez ce que représente le littoral, le Sud-Ouest également, le Nord-Ouest et l'Ouest. Je pense que ce n'est que récompense. Et lorsqu'on a vu son activité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, il nous a habitués justement à cette gendarmerie de proximité, cette gendarmerie de présence sur le terrain, dans la lutte également contre le grand banditisme. Vous savez que le littoral, le sud-ouest, ce sont des régions qui sont ouvertes à la mer. Gérer de ce côté-là n'a jamais été une chose facile. Aujourd'hui, il est général. Il est né en 1959. Il est suffisamment solide sur ses jambes et je pense que c'est ce genre de général-là, c'est le genre qui fait encore rêver. Bien des choses donc au général Loubazal pour cette promotion. Nous allons également adresser les mêmes félicitations à son épouse. Derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Félicitations à l'épouse du général Loubazal. Marcel Wona, bonjour. Bonjour à Parfait ici, bonjour à Jean-Jacques et bonjour également à Francis Bonga. Je dis également, je m'en joins donc à vous pour présenter nos félicitations à tous ceux qui ont donc été promus au grade de général hier. C'est une preuve, si besoin était encore, que le président de la République prend la contre-pied les nombreux détracteurs du pouvoir de Yaoundé qui ont toujours voulu faire croire qu'au Cameroun la carrière militaire se limite au grade de colonel. Aujourd'hui, le chef de l'État prouve quand même aux uns aux autres qu'on peut aller au-delà de colonel, on peut être général, être général de brigade, on peut être général de division, on peut être général de corps d'armée, à condition bien sûr de continuer de travailler pour la République. Et lorsque je l'ai dit, je voudrais profiter donc aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire. C'est vrai que votre microphone est très caché, Marcel. Je ne sais pas si on aura toujours un bon son. Si. Là, il est un peu plus visible, ça me rassure. Non, c'est parce que il est de gauche et moi, mon boubou s'ouvre de droite, donc ça pose un petit souci. Donc, je voudrais donc dire joyeux anniversaire à une charmante dame qui a un an de plus aujourd'hui. Il s'agit de Danielle Laure Ngonon, qui est née un certain 30 juin et qui fête donc son anniversaire aujourd'hui. Je lui dis joyeux anniversaire à toi. À toi, Daniel, Dani. Très bien. Que Ernest Wama connaît d'ailleurs très bien. Malheureusement, Ernest n'est pas là. Incroyable. Je ne peux pas affirmer. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai dit Dani, Francis, c'est ça. Vous avez allusion à Obama en saluant. Je ne sais pas pourquoi, non, quand je dis Daniel, Laure Ngonon,
Oui, c'est sa cousine. Ah, et c'est votre nièce? C'est sa cousine du village. C'est ma nièce, si vous voulez. Oh là là. Ce n'est pas possible. Ah, mais je voudrais juste dire à Jean-Jacques qu'il s'agit de laquelle est prise. Jean-Jacques ne vous a pas dit qu'il était demandeur? C'est des informations non demandées. Renseignements non demandés. Disons quand même que... joyeux anniversaire, voilà. Disons quand même que pour l'instant, le président a donc nommé 11 généraux, hein, si ma comptabilité est exacte, et cela ramène à 43 le nombre total des généraux désormais au Cameroun. Jean-Jacques, il y a eu un mouvement hier hein, du côté de la chaîne nationale, la chaîne de télévision et de radio nationale au Cameroun, la CRTV. On a l'impression, ce n'est qu'une impression, que la présentatrice du 20h30, Adèle Mbala, a payé cash ce qui est arrivé à l'antenne. Malheureusement, c'est ce qu'on pourrait constater. C'était assez difficile qu'il en soit autrement face à la gravité quand même de la faute, même si on peut rester humaniste, estimer que ça peut arriver, que tout le monde peut glisser. Mais vous savez, aujourd'hui, face à la concurrence, face à l'attente, face à la gravité de la faute relativement à la sensibilité du sujet qui a fait l'objet de cette faute-là, je pense qu'on ne pouvait pas fondamentalement s'attendre à autre chose qu'une sanction comme celle-là. Adèle Mbala, est-ce que la sanction n'a quand même pas été lourde à l'endroit de Mme Adèle Mbala? Ben, je n'ai peut-être pas toutes les mesures ou l'unité de mesure utilisées par le conseil d'administration pour infliger cette sanction. Elle perd la présentation du journal, elle perd le poste de directeur de l'information. Je pense que c'est suffisamment lourd si on s'en tient quand même aussi à cette sanction qui vient de ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu à travers les réseaux sociaux, à travers d'autres organes de presse. Je pense justement qu'elle a, à partir d'une seule faute, payé au moins 4 fois. Mais je pense que pour donner l'exemple de fonctionnement à la CRTV, malheureusement, ça tombe sur elle, mais on a toujours besoin de frapper fort pour montrer aux uns et aux autres qu'attention, il faut faire attention, on ne va pas badiner. Ce n'est pas parce qu'on est considéré à une certaine époque comme privilégié qu'on aura le droit de faire des fautes et avoir l'impression que l'administration va laisser faire. Je crois que malheureusement, la sanction, ce qu'il faut lire, c'est que c'est une leçon qu'on lui donne, mais qu'on donne davantage à l'entreprise pour savoir que l'heure n'est plus à la tolérance pour la tolérance et qu'on doit davantage faire attention. Mais ce qu'on peut lire de façon globale, c'est de dire quand même que cela fait quelques mois, ceux qui ont été déplacés, bougés, avaient été nommés à la tête de quelques directions à la CRTV. C'est quand même de l'avis de l'observateur, peut-être le profane qu'on est, on a l'impression quand même qu'un an, un peu plus ou un peu moins, que c'est quand même vite passé. Il y en a qui n'ont peut-être pas eu le temps d'imprimer leur marque, qui sont en train d'être partis. Jean-Marie Nka, qui était rédacteur en chef, va se retrouver à la tête de la station régionale du littoral. Le rédacteur en chef... Est-ce qu'il devient notre ami Serge Pout? Ben, Serge Pout perd son poste. Je pense que voilà, Sidonie, c'est quoi qui va diriger la FM94 ici? Sidonie Pongoli. Il y a un certain Leonardo Châtelain. C'est lui qui. Il vient à la FM105. La FM105. Il hérite. Et c'est là-bas que Serge Pout était. Voilà, il hérite de la 105. C'est justement là-bas que Serge Pout était. C'est un bon travailleur. Peut-être enfin une reconnaissance pour Léonard Châtelain, qui a passé le temps à être affecté quand même à des zones qu'on n'appellera pas forcément seconde zone. Mais je pense que avec la concurrence des FM à Douala, il serait peut-être important pour la télévision, la radio-télévision nationale d'avoir quand même quelqu'un aussi. Mais je disais qu'il y a quand même une sorte d'anticipation. Le mandat n'a pas été... suffit un peu long quand même pour mettre, pour imprimer quelque chose pour ceux-là qui sont en train de partir aujourd'hui. On a même l'impression, en attendant l'explication, qu'il y a une restructuration profonde, même au niveau de l'organigramme, parce qu'on n'a pas nommé un nouveau directeur d'information, on a nommé les directeurs des rédactions. Je pense qu'il y a à ce niveau-là eu une évolution. Maintenant, qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Est-ce qu'on fabrique l'organigramme d'un média classique? Vous connaissez des médias classiques où on ne trouve pas en direct l'information? Ben, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que le conseil d'administration de la CRTV recherche.
en choisissant plutôt les directeurs des rédactions que d'avoir le directeur de l'information, peut-être parce qu'il y a beaucoup de rédactions, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont attendues, CRTV Sport, CRTV, ceci ou cela. Et là, le directeur des rédactions, on comprend justement quel pourra être son rôle. Mais maintenant qu'on a encore la CRTV actuelle, est-ce que remplacer le directeur de l'information par le directeur des rédactions n'est pas compliqué davantage le travail de celui qui sera à charge justement du volet information de ce côté-là? Dans tous les cas, on souhaite bon vent à ceux qui ont été nommés. On espère justement que la CRTV ira vers des meilleurs résultats. On a aussi nommé quelqu'un au niveau d'une FM Akribi. Elle aimait déjà. FM Kribi, je crois que c'est Evelyne Golabidjek qui est censée aller là-bas. Peut-être qu'on se trompe sur les noms. Il y a FM Yagwa, je ne sais pas si elle aimait déjà aussi. Il y a une autre FM Kousseri qui est également, qui a déjà été, qui a un nouveau chef, qui a un chef de chaîne. Commentaire Francis. Un projet peut-être, déjà également augmenté au niveau de la station régionale CRTV Centre. On a nommé Neminga. Qui est donc désormais là. La femme à la voix d'homme. À la voix masculine. Ce que je voulais coller comme remarque, c'est que, en fait, Jean-Jacques fait bien de remarquer que les personnes qu'on limoge alors, qui perdent leur poste, ont été nommées il y a moins d'un an. Oui. Vous savez ce que ça implique une nomination. On vous déplace de Yaoundé pour Douala. Très souvent, vous voyez que nous sommes bien là pendant la période des congés. Vous êtes donc obligé d'aller là-bas avec toute votre famille. Vous allez trouver des bonhommes qui sont, qui ont plusieurs enfants, qui ont 7 enfants. Vous les amenez donc tous à Douala. C'est des nouvelles écoles, des nouveaux lycées. Et 8 mois après, on vous enlève de Douala pour Yaoundé. Ça implique encore d'énormes dépenses, c'est de la surchasse et tout ce qui va avec. Moi, je crois quand même que c'est peut-être Jean-Jacques qui a raison sur le plan. Peut-être que c'est une restructuration profonde. Parce qu'effectivement, j'ai attendu qu'on remplace la vedette du 20h au niveau de la gestion de l'information par quelqu'un d'autre. On a attendu en vain. On nous a servi un directeur des rédactions, Jean Atangana, pour ne pas le nommer. Jean Atangana qui est à Douala, qui est revenu à Yaoundé. Il est là, il présente. On ne peut pas confondre avec l'autre Jean Atangana qui faisait dimanche. Non, pas celui qui faisait dimanche. Mais le Jean Atangana, c'est le Jean Atangana. Actuellement, il fait une émission à 12h. Ils appellent Thermomètre, je ne sais pas, il y a une émission. C'est différent d'Emmanuel Atangana. Oui, c'est différent. Oui, c'est différent. C'est différent. Donc, on connaît Emmanuel Atangana. C'est, y avait. Alors, c'est vrai qu'on se perd un peu entre Jean et Emmanuel, mais sauf que j'ai envie de c'est comme s'il y a deux Jean finalement. Parce qu'il y a Emmanuel Atangana, celui qui était à Douala et qu'on a ramené à Yaoundé. Mais maintenant, Jean Atangana, pour le moment, je ne connaissais qu'un seul poète sincère. Moi, je connaissais un seul Jean Atangana. Justement, c'est le très grand frère Atangana. Lorsqu'on écoute les débats ailleurs ou sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est le même. Parce que justement, ceux qui font l'observation disent que quand même, c'est un monsieur qui a arrêté de travailler depuis au moins 5 ans. Oui, parce qu'il faut rappeler, Jean-Jacques, qu'il est parti du ministère des Finances ou de la gestion de communication pour le ministère de l'économie. Oui. Où il était également à la direction de la communication. Mais quand il est parti de la direction du ministère de l'économie, on n'a pas compris où il est parti par la suite. Je ne sais pas si c'était la retraite ou si c'était. Mais c'était la retraite, on ne le rappellerait pas. En tout cas, on va nous préciser donc, tout à l'heure. Très certainement, on aura plus d'informations. De quel Jean Atangana il s'agit? Et si c'est l'icône Jean Atangana qui a crié dimanche midi, on saura. Si c'est un autre Jean Atangana, on saura également. Dans ces nominations, je vais quand même me réjouir de ce que Douala a généré beaucoup de responsables. Hein. Mm. Si vous avez Evelyne Golabidjek qui vient de Douala, vous avez Gisèle Neminga qui vient de Douala, vous avez Berthe Mbala qui est désormais chef de station CRTV Sud à Ebolova et vient également de Douala. Je pense que des femmes comme Berthe Mbala, que je ne connais pas personnellement, mais pour avoir suivi son nom 1 milliard de fois, je me dis que c'est une bonne récompense. Je me dis qu'elle travaille bien. Berthe Mbala. Travaille bien, bonne professionnelle. D'une grande humilité aussi pour les avoir côtoyés, toutes ces dames qui ont été choisies, que ce soit Gisèle, que ce soit Evelyne, d'une grande humilité. C'est peut-être celle qui vient également de Douala, qui retourne la CRTV, Mireille Bissek, qui était déléguée régionale, la communication, elle y est encore parce qu'on ne l'a pas encore remplacée, et qui vient à la CRTV comme directeur de la communication.
je ne sais pas au niveau de la forme. Directeur de la communication. De la CRTV, va remplacer Emmanuel Mbédé. Directeur de la communication à la CRTV. Elle doit remplacer Emmanuel Mbédé, je pense, à la communication à la CRTV. Il y a donc quelqu'un qui est chargé de porter la communication de la CRTV, comme le porte-parole, je ne sais pas comment c'est défini là-bas. Elle part de délégué régional à directeur de la communication à la CRTV. Je ne sais pas si c'est une promotion. C'est vrai quand même que les nominations à la CRTV depuis un certain temps sont quand même aussi compliquées. Hein. On vient de le dire à peine un an. On a eu un grand mouvement, mais à peine un an, on a eu encore un autre grand mouvement. Je ne sais pas si c'est pour faire face à la concurrence. Est-ce que les autres ont échoué? Est-ce que les autres ont échoué? Pourquoi absolument ce grand redéploiement, entre guillemets? Seuls les managers de la CRT sont mieux placés pour apporter des réponses. Marcel, vous avez une réponse? Je voulais dire, bon, je crois quand même que... peut-être on a voulu, comme j'ai dit, il y avait le cas d'El Mbala. La CRTV ne pouvait pas rester avec un poste aussi sensible vacant. Les conséquences, comme on ne va pas forcément bouger une seule personne, il faut essayer de redéployer ainsi de suite et ainsi de suite. Mais tel que j'ai toujours dit concernant le cas d'El Mbala, c'est ma conviction. Je dis qu'on a enfoncé une porte ouverte. Très bien. Merci. Nous allons marquer une touche, pas pause, mais prendre la première halte véritable de ce programme. C'est la revue de la presse. Marcel, on a que 10 les journaux. Les journaux ce matin, on va donc commencer avec le quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour qui revient donc sur ces textes du chef de l'État qui ont donc été rendus publics hier, hein, des textes du chef de l'État organisant donc, portant donc nomination de certains généraux au Cameroun, hein, Paul Biya nomme donc 11 généraux. Le journal vous propose d'ailleurs les portraits des uns et des autres. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et puis, bien sûr, ceux-là qui sont admis en deuxième section. Le journal en fait d'ailleurs un dossier spécial de 2 pages avec les portraits des nouveaux promus qui sont donc à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Jour. Lequel Jour parle également aussi de ce mouvement de grève, donc, hein, des malades sous hémodialyse, des malades sous hémodialyse qui ont donc bloqué hier les différentes entrées des hôpitaux publics au Cameroun. Ces derniers revendiquaient justement, hein, leur kit pour lutter justement contre le diabète. Lesquels kits sont malheureusement absents donc au Cameroun, sont donc en rupture dans les différents hôpitaux publics. C'est donc le pied de une du journal Le Jour dans sa parution de ce matin. Alors, l'orphelin est en kiosque aujourd'hui. L'orphelin de ce 30 juin revient notamment sur ce que le Cameroun est allé faire au FMI. Vous vous souvenez parfait ici que on a annoncé, hein, la presse a donc annoncé en grande pompe que le FMI venait donc en soutien au Cameroun à hauteur de près de 400 milliards de francs CFA. Et le journal L'Orphelin, qui a enquêté dans les comptes de certains ministres de la République, nous rappelle donc qu'ils sont quatre ministres qui pouvaient donc épargner le Cameroun de cet endettement auprès du FMI. Quatre ministres pouvaient donc empêcher le Cameroun de le faire. Et le journal propose donc à suffire les têtes de ces ministres ainsi que leur nom en page 6 de ce journal. C'est donc à découvrir dans les colonnes du journal L'Orphelin dans sa parution de ce matin. Le Financier d'Afrique lui revient donc sur la stratégie, hein, la stratégie de développement donc de l'économie numérique donc au Cameroun, hein, la stratégie de développement de l'économie numérique. Et le journal revient donc, hein, en proposant donc 5 stratégies qui peuvent donc aider les jeunes Camerounais à justement développer l'économie numérique. Selon la Banque mondiale, il faut s'inscrire sur des plateformes en ligne, requérir les compétences numériques, mais alors et surtout se spécialiser, personnaliser des programmes d'enseignement et de formation pour justement permettre aux jeunes de développer l'économie numérique dans notre pays. Parfait. Merci Martial pour cette brève revue de la presse. Mais nous avons eu la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Ce matin, nous sommes justement vendredi. On sera comme d'habitude extrêmement relax avec un sujet à caractère social. Alors, que pensez-vous des divorces au Cameroun? Avez-vous l'impression qu'il y a une montée en puissance des divorces dans notre pays? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses. C'est la problématique qui orientera nos échanges ce matin. Et je vais passer la parole à Francis pour le temps habituel, question de nous dérouler. Une fois de plus, une histoire épique et bien épicée. Francis, le Congossa de ce matin. Alors, ce matin, c'est l'histoire d'un mariage qui est en train de tourner au divorce, justement. Au divorce, parce que l'histoire se déroule dans un camp du côté de la Cité Verte, c'est pas le côté où il y a les camps sikhs.
Et donc, il y a des personnes qui aménagent dans un même camp. Et en début de semaine, il y a une dame. Elle occupe une maison avec sa fille et son garçon. Elle faisait la lessive dans la cour. Et pendant qu'elle faisait la lessive, elle avait beaucoup de vêtements. Et parmi les vêtements, il y avait justement une culotte d'homme qu'elle a séchée. Et quand elle a séché la culotte d'homme, il y a sa voisine qui a observé qu'on séchait cette culotte, un Bermuda. Et elle a reconnu le Bermuda qui est en réalité le Bermuda de son homme, donc de son mari, avec qui elle vit. Et l'autre dame n'est pas mariée, ça faut le dire. Elle vit avec ses deux enfants, une fille de 18 ans et le garçon à 21 ans. Et donc, quand elle a vu le Bermuda, elle a tout de suite reconnu le Bermuda de son mari, qui, selon elle, a disparu depuis un moment quand même à la maison. Et elle fonce donc vers elle, elle lui dit, d'où tu sors ce Bermuda? Et la dame ne répond pas. Elle fait l'orgueilleuse, naturellement, elle ne veut pas lui adresser la parole, puisque depuis elle se regarde en chaîne défaillante, sans bien savoir pourquoi, le courant ne passe pas entre les deux. Et donc, quand elle repose la question, la dame lui dit, quitte devant ma cour, quitte devant ma porte. Celle qui l'avait révélée. Oui. Et elle insiste en disant, je veux que tu me dises où tu as pris le Bermuda de mon mari. Et pendant qu'elle disait, cette dame, la dame qui l'avait, lui avait déjà balancé la bassine. L'eau de la lessive. Et la bagarre s'est enclenchée. C'est la fille qui est venue, qui a réussi à les séparer. Et tout de suite, la dame qui l'avait les vêtements est allée vers le poste de police le plus proche, déposer une plainte pour agression, violation de domicile et agression. L'autre dame qu'on a convoquée est allée pour dire que c'est parce qu'elle a constaté que la dame l'avait le Bermuda de son mari. Donc elle accuse et soupçonne son mari d'infidélité. Or l'autre dame aussi dit qu'elle n'a rien à foutre avec son mari, qu'elle croit que c'est le Bermuda de son fils. Parce que son fils a des Bermudas. Et donc on a peiné le mari depuis pratiquement une semaine. Le gars ne vient pas. Pour qu'il aille prendre position dans cette affaire, le gars ne parvient pas à les prendre position. On les a déjà convoqués plusieurs fois. La dernière convocation c'est ce matin. On ne sait pas s'il ira là-bas ce matin, mais de toutes les façons, la dame, donc c'est le mari, dit que s'il est avéré que c'est le Bermuda de son mari, elle sera obligée de demander le divorce. Est-ce qu'on peut donc demander le divorce parce que le Bermuda a été retrouvé chez la voisine? C'est là que nous pose la question. Bon, je ne sais pas. Les juges vont vous expliquer tout à l'heure, hein, et les magistrats. Je compte sur le juge d'instruction de Kribi, le président Atangala, de nous aider sur le plan du droit. Comment on fait? Est-ce que le seul fait de constater ou bien de soupçonner que ça, c'est un Bermuda qui appartient à mon époux, qui est séché au niveau de la cour voisine, peut être une cause péremptoire des divorces? On compte aussi sur Maître Sim qui peut nous envoyer un SMS. Marcel, alors, voilà, oui. Peut-être avant, je vous dis détail. Non, pas pour le Congo, mais une information qui nous préoccupait tout à l'heure. On me confirme justement que le Jean Atangana dont il s'agit, qui est directeur des rédactions désormais, c'est le Jean Atangana de dimanche midi. Ah, que c'est bien lui. L'icône. Voilà. Ok, si c'est l'icône Jean Atangana de dimanche midi, je pense que je ferai un effort d'aller lui dire bonjour. C'est une référence. Marcel, on a un commentaire du Congo ça. Première chose, parfait. Ici, nous sommes là en plein dans un film de vaudou. Ah bon? Oui, oui. Dans une histoire de vaudou entre, vaudou entre les deux dames. Parce que ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est quelle a été la réaction des deux hommes. C'est-à-dire l'époux de celle qui lavait les vêtements. Non, elle n'est pas mariée. Non, l'autre qui lavait les vêtements et par-dessus tout le Bermuda, c'est elle est célibataire. Elle est célibataire, voilà. J'aurais donc bien aimé. Malheureusement, ça change. Ça change maintenant. Maintenant, ça change mon analyse. Ça change mon commentaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous regardez, la première chose, je ne sais vraiment pas si pour une culotte, si parce que on a retrouvé la culotte de Parfait ici, dans la lingerie. Non. Bon, je laisse passer. Bon, je ne sais donc pas si on peut retrouver. Reprends ta coupe. Si Madame Z retrouve donc la lingerie de Jean-Jacques. Pourquoi tu prends des exemples tendancieux? Bon. Bon, si on retrouve donc le slip de Dagobert dans la lingerie de Madame Bonga, si cela peut survenir. Non, l'autre dame n'est pas mariée. Soyons sérieux. Je pense qu'il y a un proverbe chez nous.
chez nous les Bantous, qui dit que les choses du blanc ont sont la comme la face du lièvre. Du lièvre. Ça veut dire que ça se ressemble. Ça se ressemble. Les choses du blanc sont comme la face du lièvre. C'est pas parce que vous avez acheté un téléviseur Samsung et que vous allez croire que ma soeur ne peut pas avoir le même téléviseur. C'est la même pièce. C'est la même pièce, c'est les mêmes couleurs noires, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas pour ça. Citation là. Non, ce n'est pas une raison. La dame a vu un slip qui s'est retrouvé sur la cour voisine. La cour voisine. Et elle se lève et lui dit : ça, c'est la chose de mon mari. Vous allez me dire comment vous avez fait pour avoir... C'est tout, c'est un sous-vêtement. Maintenant, là, c'est de deux, je vais vous poser quand même une question. Au cas où il arrivait que ce soit effectivement le sous-vêtement du voisin, mais... Lavé par la voisine. Lavé par la voisine. Non. Comment quelqu'un, un soldat, peut-il aller en guerre et pas oublier son arme? Vous allez en guerre et vous allez oublier votre arme sur le lieu du crime? Non, c'est pour qu'on achète un nouveau sous-vêtement, il peut bien laisser l'autre. Ah, par exemple. Bon, par exemple. Il peut laisser l'autre. Maintenant, en laissant l'autre, et il rentre donc chez lui, en rentrant chez lui, il dira à sa femme que sa femme le verra donc avec un sous-vêtement blanc, alors qu'il est parti avec un sous-vêtement noir. Le blanc sort le contrôle de la vie. Non, je pense que non. La voisine, si elle a s'en prendre à quelqu'un, qu'elle s'en prenne à son mari. Si elle s'en prenne à son mari. La célibataire qui est là n'a pas appelé votre mari pour venir le retrouver dans son studio ou bien dans son appartement ou bien pour venir rationner en espérant venir manger un morceau de porc le soir. Elle ne l'a pas appelé, il est venu de son plein gré avec ses deux pieds. S'il est venu abandonner son slip chez la voisine, c'est de son problème. En prenez-vous à votre mari, vous n'avez rien à voir avec la voisine. Très bien. Jean-Jacques, il y a quand même aussi autre chose. Hein. S'il est établi et que c'est effectivement le sous-vêtement de son époux qui est maintenant lavé par la voisine, est-ce que la voisine a quand même aussi besoin de narguer l'autre femme de scène? Parce que je me dis quand même que cette voisine l'a fait à dessein. Mais elle n'a pas, elle savait peut-être pas que l'autre allait laver le bermuda en question et le sécher à la douche à l'intérieur. Mais elle vient étaler ça dehors, sachant pertinemment que la femme du voisin va voir. Parfait, vous êtes... je ne sais pas comment appeler ça, d'une grande intelligence. Merci. Vous avez anticipé. Votre question est venue anticiper et je pense que je vais suivre ce raisonnement-là parce que c'était ma préoccupation. Je dis qu'à un moment donné, ce Bermuda ne peut pas s'être envolé pour se retrouver là-bas. Ça, c'est clair. Il a certainement été laissé dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer. Peut-être qu'il y a eu une tâche, peut-être qu'il y a eu un cadeau qui a fait en sorte qu'il change. Mais ce mari part souvent chez la voisine. Ça, c'est clair. Et la voisine qui est célibataire est dans la logique de la destruction. Oui. L'affichage qu'elle fait, c'est juste pour gâter la relation de l'autre. Il n'y avait aucune raison, sachant qu'elle est dans la tricherie pure, pour qu'il n'y avait pas une raison qui puisse l'amener à venir afficher ce Bermuda. Parce que son objectif, c'est justement de tout gâter, de briser le foyer d'autrui en utilisant justement ce Bermuda-là comme élément déclencheur de ce qui se vit aujourd'hui dans les tribunaux et autres. La preuve en est qu'elle ne répond pas d'abord. Orgueilleuse. Cette affaire est orgueilleuse. C'est parce qu'elle a atteint sa cible. La cible a été touchée et justement, elle attend la suite. Tout le théâtre qui va se passer au tribunal, le vainqueur de ce théâtre-là, c'est elle. Naturellement, je ne sais pas pourquoi c'est elle qui a versé de l'eau à l'autre. Elle aurait dû encaisser de l'eau chaude pour mieux laver le Bermuda du gars en question. Là, c'est les faits, les derniers faits. Mais le criminel dans cette affaire, parce que j'aime bien écouter Charlie Gabriel Mbok qui me demande régulièrement de ne pas confondre les causes aux conséquences. La cause, c'est justement le type qui part dans ces conditions-là, se retrouver souvent en train de faire le crime et d'oublier les indices sur le lieu du crime. C'est lui qui a le courage d'aller dormir dans la chambre, dans le lit de la voisine, sachant justement qu'à un moment donné, si tu offres la belle robe à celle qui est à gauche, celle qui est à droite va manifester et va tout faire pour briser. Il savait justement qu'il était en train de se lancer sur un chemin très dangereux et aujourd'hui, qu'il ne fuit pas le tribunal, qu'il aille répondre, qu'il aille raconter l'histoire du lièvre et la station du lièvre là-bas, mais il n'aura pas raison. Il n'aura pas raison parce que dans mon village, il y a quand même les lièvres jaunes. Il y a les lièvres
lièvres qui ont une tache noire ici, des lièvres qui ont un bout de nez plutôt brun. Donc, même si vous dites que dans l'affaire des Blancs, les lièvres ont le même visage, il y a toujours quelques différences quelque part. Le Bermuda de ton mari, tu ne peux pas le confondre. Surtout que, généralement, c'est elle qui achète souvent. Oui, tout à fait. C'est elle qui achète souvent ces Bermudas. Et ces Bermudas ont des classifications. Vous verrez que, généralement, là où elle range les Bermudas, il y a toujours un qui est au-dessus. Mm-hmm. Le Bermuda qui est le fer, le Bermuda qui est le maillot, le Bermuda qui est la tenue d'échauffement. Et c'est bon, ce sont les expressions qui disent ça. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas confondre la tenue d'échauffement. Oui, le Bermuda, son gars. Donc, il y a des tenues quand vous vivez chez un aîné ou chez votre sœur aînée. Lorsqu'elle met un t-shirt, elle met quelque chose de précis, il y a toujours. Vous comprenez que il y a un code, le langage est en train de passer, le message est en train de passer, il faut le décrypter. Mais je pense que c'est le type qui doit aller répondre et il a détruit son foyer. Très bien. Merci. Francis veut coller un mot. Disons quand même aussi, Francis, une des leçons que nous pouvons tirer de ce Congo, c'est que vous les hommes aussi, regardez, on dit voisin, elle dit que quelle proximité, elle dit que Jean-Jacques joue les interportes, elle dit que tu quittes de cette porte, tu te traverses de l'autre côté, au point tu oublies même les Bermudas, peut-être que le match avait été tellement enlevé et tout, non, vraiment, et qui a eu fin de match subit. Monsieur les époux, évitez quand même aussi d'aller avec des voisines de manière aussi proche, Francis. Non, ce qu'il faut dire dans tout jeu d'abord parfait, c'est que l'homme, depuis qu'on le convoque pour qu'il aille répondre de cette affaire, il fuit. Il ne répond pas de toutes les convocations qu'on lui envoie. C'est déjà un problème. Ah oui. C'est un indicateur de ce qu'il est coupable. De ce qu'il est coupable. Il ne sait même pas comment est-ce qu'il va gérer cette affaire. Je crois que pour ce monsieur, je pense que ce monsieur, il doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi, prendre ses responsabilités? Non, il est quand même marié à une femme. L'autre, disons, c'est une copine. Bon, il va donc sacrifier sa femme au profit de la copine. Mais un autre homme va te dire que je m'en vais au tribunal et je dis que je ne reconnais pas ce Bermuda. Et d'abord, je n'entretiens aucune relation avec cette dame. Oui, tout à fait. J'en venais pour dire que le problème qui se pose ici est que c'est celle qui a versé de l'eau, celle qui s'est sentie agressée, qui a porté plainte contre l'autre. Donc, il n'est pas possible que l'épouse du monsieur se retire. Elle est tenue parce qu'on lui a porté plainte. C'est pas elle qui tient le dossier. C'est pas elle qui poursuit l'autre. On la poursuit. Donc, elle doit répondre de ça. Si c'était le contraire, le mari aurait pu la convaincre de retirer sa plainte et peut-être lui dire la vérité dans la couette. Mais ce n'est pas le cas. Il est obligé d'aller là-bas parce qu'il doit répondre de quelque chose. Mais l'affaire du Bermuda est subsidiaire. Hein. La plainte, c'est agression. Oui, c'est agression. L'affaire d'agression et de violation de domicile, elle doit forcément répondre. Oui, mais vous savez que pour aller au bout d'une enquête, il faut réunir tous les éléments. Et maintenant, je dis, le monsieur peut justement aller là-bas et renier l'autre dame. Dit que je ne vous connais pas, je ne sais pas comment est-ce que mon Bermuda s'est retrouvé dans votre lingerie. Quitte à ce que cette dame dise donc devant les autorités que, mais quand tu étais venu dormir là, tu ne savais pas que tu laissais le Bermuda quand tu avais porté le plan. Francis, c'est un jeu dangereux si le monsieur va renier tout en bloc. Parce que l'autre dame qui a porté plainte, c'est de la voisine, elle peut apporter d'autres éléments, hein. Pour démontrer Oui, à ce niveau, ça devient dangereux. Donc, le monsieur, il a l'obligation ici, et d'ailleurs le devoir, de tout faire avant d'arriver devant les autorités, de gérer cette affaire à côté. C'est-à-dire de voir chacune, même individuellement, pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut arriver devant les autorités. Parce que s'il arrive sans avoir eu des discussions préalables avec les deux dames, très certainement, il y aura clash devant les autorités. Pour qu'on n'en arrive pas là, je connais une histoire similaire où une dame est allée trouver son mari avec une fille qui habitait chez elle. C'est-à-dire, elle a trouvé son mari dans le bureau de son mari avec une fille qui habitait chez elle, alors qu'elle savait que la fille ne connaissait pas bien son mari. Et la fille était étonnée de la voir débarquer. Et quand elle demande à son mari, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Son mari dit, qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Et la fille lui dit, non, comme il savait que le bureau de tonton est ici, je suis venu le saluer.
Le saluer quoi? Et le monsieur lui a dit, sors de mon bureau. Pourtant, le monsieur lui a même payé près de 8 mois de loyer. Et la femme le savait déjà. Mais tout de suite, devant son épouse, il a chassé la dame. Il a sorti de mon bureau, il ne revient plus jamais ici sans passer par mon épouse. Donc, il y a des personnes comme ça. Quand il est devant son épouse, il donne toute l'autorité à son épouse. Et vous laisse vous qui n'avez aucun lien officiel avec lui. Merci. Hein. Vous regardez Vision 4. Vous avez sans doute fait le meilleur choix. Le programme, c'est Tour d'Horizon. La télévision, c'est Vision 4. À tout de suite pour la suite. Merci de nous retrouver en direct sur Vision 4. Nous allons lire quelques messages. Bonjour les gars, à première vue, l'on ne saurait accuser l'homme d'infidélité parce que le Bermuda ressemblerait à l'un des siens. Par ailleurs, le fait que l'homme refuse d'établir la clarté laisse penser qu'il est coupable et dangereux. Mbabokolo Aloïse du côté d'un Sam. Nous allons prendre un autre message. Il y a un message là. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Dites au général Loubazal que des gendarmes routiers. Je pense que c'est pas le meilleur endroit de passer ce genre de message. S'il a un problème avec le général, qu'il va y voir le général dans son bureau. Non, il n'a pas un problème avec le général. Il veut dénoncer quelques manœuvres des gendarmes bizarres dans son quartier et tout ça. Et il donne vraiment beaucoup d'éléments là. Non, vous savez, il faut faire très attention. Nous pouvons lire un message comme celui-ci alors que quelqu'un visiblement était en train de vouloir régler des comptes à des postes de gendarmerie. Et donc, vraiment, aller rencontrer dans le général, si vous avez des preuves, ce serait mieux. Mais nous, on ne peut pas lire ce genre de message. Bonjour à vous sur le plateau. Pour le Congo, ça, je dirais que ce monsieur n'est pas malin. Il aurait dû partir au commissariat et nier avec ce retard. Il est déjà suspect. Je suis d'accord avec toi, mon ami. Il est vraiment déjà suspect. Bonjour. Il n'y a pas eu équilibre régional dans les nominations des généraux. L'Ouest revendique son général. J'interpelle la commission Moussongue de faire son travail. Betson. Donc c'est la commission Moussongue qui va maintenant au chef de l'État. Donc c'est également l'une des missions de la commission Moussongue. Donc quand le chef de l'État comme ça ses nominations, il envoie d'abord à la commission Moussongue qui regarde si toutes les régions sont représentées. Non, c'est pas ça le travail de cette structure. Bonjour les beaux gosses, où est passé Ernest? Est-ce que parce qu'on a dit hier qu'il a échoué sur toute la ligne? Je ne pense pas. D'abord, Ernest n'a pas passé un examen hier, donc je ne sais pas comment il a échoué. Je suis d'accord avec l'analyse de Jean-Jacques. Je me dis que la femme qui a versé de l'eau à l'autre se reproche de quelque chose. Et c'est une femme à problème. Et comment un homme peut oublier son Bermuda quelque part? Peut-être qu'il avait doublé Donald Ngonga de Bumba Ganté. Il a doublé quoi, les Bermuda. Il est resté. Bonjour les dinosaures, les divorces doivent prendre ampleur, doivent prendre de l'ampleur au Cameroun, même au monde. Plusieurs facteurs sont causes, la pauvreté, l'insuffisance des objectifs, infidélité, les faux conseils et le charme. Il faut beaucoup de chance pour voir les couples faire 20 ans ou prendre la retraite comme nos parents. Ndongo Osala du côté de Kribi. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Si la voisine a mis le Bermuda au soleil, c'est parce qu'on lui a enseigné à l'école que les sous-vêtements se sèchent au soleil. Malheureusement, ça a dérangé Omar depuis l'OMI. Il y a un aspect quand même aussi de ce Congo. Omar n'est pas sérieux. Mais il y a un aspect de ce Congo, ça quand même, c'est que la voisine peut avoir inconsciemment séché le Bermuda dans la cour
sans toutefois vouloir nuire. C'est-à-dire, naturellement, peut-être, elle peut avoir oublié, elle lave les vêtements et puis elle se dit, bon, je sèche. Et après, elle sèche, c'est là où l'homme se rend compte que, attention, ça c'est le truc de mon type. Donc, qu'est-ce que ça fait là-bas? Non, cette femme. Non, elle peut ne pas avoir l'intention de nuire. Je ne suis même pas sûr qu'elle peut, avec l'âge de ses enfants, laver leur Bermuda. Parce que si elle confond le Bermuda, fils à 21 ans, ce n'est pas possible de laver les Bermudas d'un fils de 21 ans. Ce n'est pas possible du tout. Donc, franchement, il y a quelque chose. Bonjour les dinosaures. Peut-être vous diriez que j'ai le droit, que je n'ai pas le droit, mais je pense qu'Obama ne doit plus être... une conspiration. Je vous dis que ici il y a les titulaires et il y a les officiers de réserve. Est-ce que les officiers de réserve vous ont dit que ça allait déranger? Bonjour, parfait. Ici la voisine a tort. Elle devrait mener l'enquête. Il faut attendre le mari Tchakam Israël Agarwa. On va lire trois derniers messages. Hein. Bonjour le panel, cette dame est allée trop loin, les sous-vêtements sont fabriqués en série. Quel dialogue avec son mari et qu'elle ait plus de preuves avant de s'en prendre à sa voisine Julie de Berthois. Le problème est que Julie, il y avait déjà anguille sur roche, hein, ou bien il y avait déjà des suspicions. Des suspicions. Et lorsque la dame vient même vers sa voisine pour lui poser cette question, elle se braque, elle joue à l'orgueilleuse, en fait, elle ne répond même pas. C'est sur ce niveau-là qu'elle est, qu'elle peut être... Parce que donc, c'est braque, une manière de narguer l'eau. Bonjour les dinosaures, on a lu ce message. Quelques messages donc rapidement ici. Que devient Adel Mbala, c'est signé Vigny de Bafoussam. Elle reste employée, journaliste employée de la CRTV. Oh, au-delà de tout, Adel Mbala est d'abord journaliste employée à la CRTV. Moi, je ne sais pas ce qu'il doit vous dire. Elle est journaliste, elle est à la CRTV. Bonjour les seigneurs du micro, cette histoire est plutôt comique. Cette femme qui faisait la lessive, pourquoi est-ce qu'elle avait même ce sous-vêtement-là? Elle n'est pas sérieuse. Quant à l'autre, elle ne lave pas, pourquoi? Elle ne doit pas divorcer, il faut dialoguer. Et le monsieur s'est même déjà trahi Pythagore depuis Chang. Autre préoccupation ce matin, un vendredi en direct sur Tour d'Horizon. Bonjour les incontestables de l'analyse de l'info. Les étudiants attendent toujours les fameux ordinateurs promis par le chef de l'État qui attend la chaussure d'un mort va longtemps marcher pieds nus. Bon week-end aux dinosaures. André Tala, ouais, que le. C'est vrai que je n'ai pas bien compris ce problème. Non, ce qu'il m'a dit, c'est que les morts n'ont jamais de chaussures. Donc si tu attends donc la chaussure d'un mort, dis-toi que tu n'auras presque jamais de chaussures. Tu marcherais généralement du pied. Mais pour information, on a appris avec le journal L'Action, oui. Le journal L'Action du comité central du RDPC cette semaine, que les 10 000 premiers ordinateurs seront distribués en décembre 2017. Les 10 000 premiers. C'est vrai que ce n'est pas la première promesse. En décembre 2017. Donc, c'est ce que Jacques Famenon nous dit dans les colonnes du journal L'Action cette semaine. Merci donc au professeur Jacques Famenon-Ndongo, même si pour la promesse. Aussi, oui, pour cette autre promesse, espérant que cette fois-ci, c'est pas loin, la décembre. Bonne. Et décembre n'est pas loin, hein, parce que quand on disait santé pour tous en l'an 2000, on pensait qu'on atteindrait jamais l'an 2000. Mais bon, entre-temps, quand même aussi, il risquerait d'y avoir des problèmes hein, pour les primes de ceux qui corrigent les examens, au niveau du BEPC notamment. On a désintéressé tous les enseignants qui corrigent les copies, les surveillants, mais sauf la région du centre. Pour l'instant, ils ont corrigé le BEPC, ils sont même au niveau des délibérations, et certains sont en train de vouloir organiser un mouvement d'humeur en bloquant justement les résultats au cas où ils n'auraient pas les primes. Donc le ministre Ngalabi Béhé devrait essayer de regarder. Je pense qu'il a réagi. Et le ministre a réagi hier soir à travers un communiqué pour dire justement qu'il y a un appui spécial qui va être distribué à tous les délégués régionaux et départementaux. Je pense que la solution est certainement déjà trouvée. OK. Bon, nous prenons le thème inscrit à l'ordre du jour. Tout d'abord avec Francis Bonga. Francis, lorsque vous faites un tour au niveau des tribunaux, vous vous rendez quand même compte. Hein, le constat est éclatant. On enregistre de plus en plus des demandes de divorce. Qu'est-ce qui peut être la cause d'un tel état de choses? Alors d'abord parce qu'aujourd'hui, tout le monde est intelligent.
Tout le monde est intelligent, tout le monde connaît la route qui va au tribunal. Chacun a au moins un avocat qui est soit son voisin, soit son cousin, soit le frère de son père, le frère de son ami, soit son amant. Ah bon? Et c'est différent de l'époque de nos parents, parce qu'il faut d'abord vite mettre la barrière, parce qu'avant on nous dit qu'à l'époque les gens faisaient ceci. À l'époque, pour voir un avocat, il fallait parcourir peut-être 300 km. Pour les parcourir, il fallait avoir de l'argent pour payer les transports et savoir même qu'il a tel endroit. Les tribunaux, ce n'était pas partout. Sans compter ses honoraires. Les tribunaux, ce n'était pas partout. Pour voir un tribunal, il fallait peut-être partir. Moi, mon village, c'est du côté de Boulmakak. Il fallait partir de Boulmakak pour Yaoundé. Donc, c'était tellement long. Ce qui se faisait, c'est qu'il y avait très souvent une petite séparation là. Et au village, on arrangeait ça très rapidement. Donc, il n'était pas évident que deux personnes qui se sont dit oui, ce n'est pas n'importe comment. Aujourd'hui, je reviens donc pour dire que c'est facile. Quelqu'un qui habite Mendon, il y a un tribunal juste là, devant sa porte. Tu as la cité verte, le tribunal est à 150 francs, parfois 100 francs. Donc, les tribunaux, c'est partout. Et comme tout le monde est donc devenu intelligent, ça fait que même dans les ménages, l'intelligence s'est invitée. Tout le monde connaît tout. Dans les foyers, ce n'est plus... On les appelle les sabitou. Oui, dans les foyers, ce n'est plus la dictature des lois. Tu ne dictes plus à la femme ce que tu veux. Les femmes, même celles qui n'ont pas fréquenté, regarde-moi la télé. Vous aimez beaucoup Nouvelas. Mais il n'y a pas que Nouvelas. Il y a bien d'autres programmes qui passent à la télé, qui édifient les femmes, qui les éduquent, qui disent aux femmes quelles sont leurs droits. Qui les éduquent ou bien les aliènent? Non, qui les éduquent. Ah, d'accord. Qui disent aux femmes quelles sont leurs droits. Puisqu'avant, les femmes ne savaient même pas qu'elles avaient des droits. Elles savaient qu'elles avaient essentiellement les devoirs. Il fallait servir son époux. On ne savait pas qu'il y avait des droits. Mais aujourd'hui, les femmes savent qu'elles ont les droits. Mais vous savez qu'elles ils vont même jusqu'à chercher l'égalité. Francis Bonga, parfois les femmes juristes, là, nous énervent. Oui, j'ai dit qu'elles vont... Elles ont même une association. Je et dis c'est que... comme ça qu'elles passent le temps à donner des mauvais conseils à nos tout femmes. À fait. Elles vont même jusqu'à chercher déjà l'égalité. Je crois que bientôt, elles vont chercher la suprématie de la femme sur l'homme. Mais nous n'en sommes pas encore là. Elles sont encore à la recherche de l'égalité. Donc, toutes ces évolutions ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, chaque fois qu'une femme se sent dans la peau d'une dame lésée, dans la peau d'une femme dont les droits ne sont pas promus dans le foyer, eh bien, il suffit d'une petite étincelle pour que celle-là court vers un tribunal, dit qu'elle veut divorcer. Et aujourd'hui, justement, on ne se supporte plus parce qu'il y a toujours des alternatives. Il y a toujours le plan B. Et parce qu'aujourd'hui aussi, le Cameroun a la chance d'avoir des femmes qui procréent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a trop d'hommes, il y a trop de femmes. Donc la femme avec qui, ton épouse avec qui tu as les problèmes, dès que vous avez ce même problème et que tu la laisses 1, 2, 3, 4, 5 jours, pendant qu'elle va lâcher sa sœur pour, dit-elle, chercher le réconfort, un bonhomme l'a déjà interpellé à la route. Comme elle est fâchée contre toi, elle accepte donc de prendre un pot avec celui-là. Et celui-là lui met déjà des idées dans la tête. Elle commence donc à penser à l'éventualité d'un divorce. Ah, mais celui-ci il m'accueille bien, il m'a déjà offert un pot, il m'a déjà donné... Alors que c'est quelqu'un qui a la chasse. Et donc, ça fait que beaucoup de personnes se trompent. Il en est de même pour les hommes. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Dès qu'il a une femme qui devient un petit casse-tête, parce qu'en même temps, il faut savoir que les hommes, dès qu'il a une femme qui devient un petit casse-tête, il est déjà dehors. Et la femme de dehors, c'est une femme qui, généralement, est accueillante. C'est une femme qui va entrer. Vous savez, il y a une chanson qui dit « Celles qui sont dedans veulent sortir. Oh, celles qui sont dehors veulent entrer. » C'est ça le mariage, c'est vice-versa, c'est comme homme comme garçon. Oui. Donc, ça fait que tout cela fait qu'effectivement, les tribunaux ont du travail. Ça fait naturellement leur affaire parce que vous savez, quand vous êtes dans un service où il n'y a pas le travail, vous vous plaignez, vous vous gênez. Mais au tribunal, il y a vraiment du travail parce qu'aujourd'hui, et il y a un motif, on ne le dit pas assez. Le motif qui revient le plus, ce n'est pas l'infidélité comme les gens pensent. C'est l'incompatibilité d'humeur. Ça, c'est le motif. Et c'est un motif, je vous assure, parfois ici, qui est insoutenable. Incompatibilité d'humeur. Vous voyez deux époux dans une maison qui réussissent quand même à faire deux semaines sans se parler. Parce qu'effectivement, ils sont arrivés au niveau où personne n'écoute plus l'autre, chacun veut faire passer son argument, et l'autre n'est plus réceptif. Il y a aussi l'orgueil. Et finalement, il y a donc l'orgueil. Et c'est pour cette raison qu'il faut donc éduquer les couples. Je crois qu'il faut qu'on revienne à ça. Éduquer les couples à la communication. Éduquer les couples à la compréhension. Éduquer les couples à accepter l'autre tel qu'il est.
Et c'est ça même le fondement du mariage. Si vous ne pouvez pas supporter les mauvaises habitudes de Dagobert, vous ne pouvez pas être son épouse. Si vous ne pouvez pas supporter les mauvaises habitudes de Sylvie, vous ne pouvez pas être son époux. Donc c'est vice-versa, il faut simplement trouver le juste milieu. C'est vice-versa, il faut simplement trouver le juste milieu. Jean-Jacques Zeu, on se marie habituellement pour le meilleur et pour le pire. De temps en temps, j'ai suivi cette formule du côté des mairies et même du côté de l'Église. C'est biblique, il est clairement dit que ce que Dieu a lié, que personne ne vienne délier. Est-ce que les couples se rendent même souvent suffisamment encore compte des engagements qu'ils ont pris et maintenant de ce vœu qu'ils ont fait, ils ont juré vivre pour l'éternité? Je pense que le problème est, à mon avis, au niveau de la préparation du mariage ou au mariage. Parce que les couples de nos jours n'ont pas le temps, le recul suffisant pour aller vers la préparation au mariage. Généralement, les mariages sont pensés comme des contrats. Les mariages se font aujourd'hui par nécessité, par obligation, par réponse à autrui. Par mimétisme et par matuvisme. Lorsque vous avez un peu d'argent, vous vous engagez à vous marier parce que vous voulez mettre plein la vue aux autres. Mais vous ne vous mariez fondamentalement pas pour vous. Vous vous mariez pour répondre, pour montrer que vous avez choisi. Vous avez choisi la plus belle femme et que vous êtes capable d'offrir la meilleure des fêtes possibles du mariage. Lorsque les aspects comme cela sont mis à l'avant, naturellement, le mariage lui-même tel qu'il était préparé avant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire, il y a la préparation personnelle qui part de l'acceptation, qui part justement de la mise dans une balance des bons et des mauvais côtés des uns et des autres, qui trouvent un consensus finalement et des concessions. Je peux, nous pouvons et on se met ensemble dans la préparation individuelle. Dans cette préparation, il y a l'écoute qui est importante. Aujourd'hui, on a dit que lorsque deux personnes veulent s'engager, la troisième, c'est le diable. De façon radicale, ce n'est pas vrai. On a toujours besoin d'écouter un peu, même si vous n'êtes pas obligé d'appliquer ce que vous avez écouté, de s'ouvrir dans votre préparation au mariage, de rencontrer les gens qui alignent quand même 40 ans de mariage, qui alignent 30 ans de mariage, qui peuvent vous parler du mariage, qui ont une bonne choses qui vous attendent dans le mariage. Donc n'éloignez pas forcément la troisième personne parce que vous êtes déjà suffisamment aguerri et matériellement assis, mais ouvrez la porte à ceux qui ont réussi parce qu'ils ont 30, 40 ans, 50 ans de mariage. La préparation aujourd'hui a éliminé l'aspect religieux, malheureusement, parce que les gens s'arrêtent pour la plupart des cas à la mairie. Les gens commencent même plutôt par la fin. Or, on n'a pas accordé la place à la préparation du mariage qui se passe généralement à une périodicité précise auprès du curé, auprès du prêtre, auprès de l'évêque. Les gens partent dormir pour préparer le mariage. Ils écoutent la parole. Maintenant, ce n'est plus le cas. On se marie en moins d'un mois. On dit on s'en fout même du délai de la publication des bans parce qu'on peut appeler un maire et il vous antidate cette affaire-là et vous vous mariez. Donc, il y a un gros problème dans la préparation du mariage. Il y a maintenant les aspects que Francis a évoqués tout à l'heure auxquels il faut ajouter les mauvais modèles. Il y a plus de mauvais conseils et plus de mauvais modèles parce que les femmes qui ont réussi dans le divorce et qui aujourd'hui ont leur maison parce que avant on regardait les avantages du divorce chez les Blancs. Nos sœurs allaient épouser les Occidentaux dans l'espoir de divorcer, pas de créer une vie longue, mais de divorcer par la suite et de gagner soit la moitié des biens, soit ainsi de suite. Aujourd'hui aussi, nous avons des modèles ici qui sont malheureusement évoqués dans les fausses chansons. On vante les noms de ces gens qui se sont fait fortune à partir des divorces. Et du coup, les gens veulent aussi divorcer pour gagner quelque chose. Donc, il y a moins de modèles. Il y a déjà des business dans cette histoire. Il y a un business. On épouse les gens en se disant que si ça, comme on dit au quartier, si ça cuit. Dans tous les cas, je connais l'avocat. L'avocat est déjà associé dès le début du mariage. On a déjà son avocat. Au moment où vous commencez déjà à négocier le mariage, vous avez déjà l'avocat qui marche avec vous et qui vous donne tous les jours les conseils et les données juridiques au cas où ça coince. Voilà comment vous allez décoincer cette affaire. Donc le mariage aujourd'hui est plus une affaire de Nollywood, de novelas, qu'une réalité de vie des gens qui veulent aller loin. D'ailleurs, si vous allez à la mairie, une fois qu'on dit pour le meilleur et pour le pire, la famille réagit pour le pire et pour le meilleur et pour le meilleur.
Les gens commencent à chanter. On enlève le pire. Et pour le meilleur, on enlève le pire. Et tant pis pour l'homme. Si le pire commence à se sentir de votre côté, les avocats sont déjà prêts. Et comme on veut gagner quelque chose, on commence à dire qu'il va mourir pauvre. Je vais tout prendre avec le divorce. Je vais tout prendre. Et les soeurs sont associées, qui se maîtrisent pratiquement la carte géographique, la localisation de tous les avocats à travers le Cameroun. Et le mariage se retrouve dans cette légèreté-là. Je voulais ajouter un dernier aspect, celui du dialogue. Le dialogue n'existe plus parce qu'il y a l'orgueil qui a pris le contrôle dans les couples. Lorsque vous avez un malentendu, chacun prend son côté. Chacun a sa chambre. Chacun va entrer dans la chambre et dit que bon, d'abord même on fait séparation. La femme commence à aller dormir dans la chambre des enfants. Aller dormir au canapé. Vous vous retrouvez même quand vous êtes dans le même lit, chacun a son téléphone et sur son WhatsApp. Personne ne s'écoute. Et la femme qui porte le pantalon blindé et tout ça. Bien blindé. C'est-à-dire que, voilà, avec ceinture et autres, vous ne dialoguez pas. Pourtant, si vous vous entendez et que vous dites que quand même, vous faites profil bas, que chérie, je reconnais que là, j'ai un peu exagéré. Le discours ne peut pas manquer. Le discours peut être tissé par l'un ou par l'autre si vous voulez sauver le mariage. Mais comme on est orgueilleux et que chacun gagne son argent et que chacun a son véhicule et que chacun a son avocat, ainsi de suite. Avant, l'avocat était l'avocat de la famille. Maintenant, la femme a son avocat, le mari a son avocat. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la logique de ce que nous sommes ensemble et nous sommes contre les dangers qui viendront de l'extérieur, mais nous sommes déjà divisés à la maison. C'est vrai quand même aussi, je discutais Marcel Wona avec un juge qui me disait quand même que parfait, je me plaignais que le taux sans cesse croissant des divorces au niveau de nos tribunaux pour moi était inquiétant. Il me disait qu'en réalité, c'est souvent la dernière alternative, c'est souvent le dernier coup, mais lui en tant que juge, il s'efforce toujours à unir à nouveau, à réconcilier ceux qui sont venus demander un divorce. Et je lui ai posé la question s'il avait quand même réussi à réconcilier à nouveau des gens qui sont devenus demander un divorce. Il m'a dit oui, il a réussi à plus d'une fois et que lorsqu'on n'en peut donc plus, et c'est là le juge est vraiment obligé de proclamer entre guillemets ces divorces-là. Effectivement, est la dernière option dans le cadre d'une vie de couple qui est en train d'aller en vrille. Et il m'a dit tout en vous relançant que l'une des stratégies du juge est que pour une procédure de divorce, il y a trop de renvois. Et avant de ce renvoi, c'est pour donner la chance aux uns aux autres de s'unir. Et par moments même, on dit d'abord séparation de corps. Juste là, on n'est pas encore divorcé. Allez-y, monsieur. C'est qu'il y a une étape dans le processus qui prévoit un procès en conciliation. C'est-à-dire que c'est prévu par la loi. Lorsque vous êtes saisi pour les cas de divorce, vous vous arrangez à tenir justement cette session-là qui est censée donner un peu de chance pour sauver le mariage. Très bien. Allez-y, Marcel. Mais la réalité également aussi, c'est que si certains couples vont parviennent à être réconciliés, ce sont des couples d'un certain âge. Mais nous là, les jeunes, nous les jeunes là, quand on entre là, c'est du genre dès que l'audience finit, c'est Marcel Wona qui rappelle le juge et dit mais Tara. Je t'ai dit de me... Évacue-moi ça. Toi, tu as renvoyé pourquoi? Entre-temps, madame appelle aussi son avocat et dit, mais tu pars accepter le renvoi pourquoi? Je t'ai dit que le type là, je ne le veux plus. Que ça s'arrête là. Donc, notre génération là... Trop tranché. Non, c'est tranché, c'est catégorique, c'est radical. Ce sont les couples qui ont la cinquantaine que parfois un juge peut dire qu'il a réussi à reconcilier. Non. Les anciens liés. Mais la trentaine là, comme il y a même Novelas qui est venu s'ajouter, il y a les comportements, il y a ce que Jean-Jacques disait tout à l'heure, que les gens ne prennent plus le temps de dialoguer. Les gens ne prennent plus le temps de penser le mariage. Les gens ont le temps de penser une vie égoïste, individualiste. Et c'est là-dessus que je reviens sur ma fameuse théorie. Laquelle c'est? Il faut rendre la polygamie obligatoire. Ah bon? Oui. Il faut rendre
Pour la promotion de la polygamie au Cameroun. Tous les hommes doivent en être gamins. Non, j'ai dit une chose. Ça a été foutu, hein. Je sais, je dis que tous les hommes doivent être membres de cela. Vous savez pourquoi? Attendez, permettez que je parle. Je suis quelqu'un de très vrai. Le taux fort croissant des divorces dans les tribunaux est dû au fait que les uns et les autres sont des polygames qui veulent... Comment dire? Ce sont des polygames hypocrites. Si la polygamie était obligatoire, les gens ne divorceraient pas. Nos parents ne divorcent, nos grands-parents ne divorçaient pas parce que justement, à l'époque, on ne savait pas ce que c'est que la polygamie ou bien la monogamie. C'était que Jean-Jacques Zeu prend sa fille, il part donner au fils de Martial. Un jour, quand on se rend compte que parfois ici a fait un très beau fils, on prend le même, une autre fille, on vient ajouter ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez donc le fils de Martial qui se retrouve avec 3, 4, 5, 6, 7, 8 femmes. Nos grands-parents avaient les 25 femmes. Et jamais, mais alors grand jamais, aucune d'elles n'a divorcé. Jamais, grand jamais, aucune d'elles n'est partie de ce foyer. Elles sont restées. Mais d'où sort-il qu'aujourd'hui, nous là, dès que quelqu'un regarde Novelas deux fois, il dit ok, ça c'est même une stratégie. D'ailleurs même, comme la femme s'y m'a parlé comme ça aujourd'hui, il m'en va voir le juge. Et il dit au juge, Tara, moi je ne veux plus. Quel est le motif? Le seul motif qu'il donne, la plupart du temps, c'est incompatibilité d'humeur. Et vous savez très bien que incompatibilité d'humeur, un juge va vous octroyer l'affaire parce que l'incompatibilité d'humeur peut aller jusqu'à vous donner, aboutir à un crime passionnel. Et il faut éviter cela. Non, je vous pense que on a un problème dans nos sociétés. Lequel? Le problème que nous avons, c'est que je ne sais pas comment dire ça, mais on a l'impression que les uns et les autres se marient par suivisme. Par suivisme. Et c'est pour ça que moi, je peux suggérer. Le Mathieu veut. Je peux suggérer. Parce que dès que quelqu'un a un petit 5 millions, là. Non, dès que quelqu'un a 5 millions, il faut qu'il montre qu'il a l'argent. Il y a quelqu'un. Il fait un mariage pompeux. Martial avait parlé de moi. Il y a quelqu'un qui m'a vu un jour dans un cabaret. Et elle était très sérieuse. Il vient me voir. Il me dit bonjour, je suis ici. Bonjour. Il me dit mais vraiment, moi j'ai un problème là avec toi. Je pensais qu'il va me parler de tout d'horizon, d'arrêt majeur. Il me dit c'est comme si tu n'es pas encore marié. Bon, je suis d'abord surpris par cette tournure. Il dit oui, le problème c'est à quel niveau? Il me dit non, tu vois que tes collègues sur le plateau là sont déjà mariés. Il faut que tu te maries aussi, ce n'est pas bien. Il est sérieux. Non, j'ai dit au monsieur, il est sérieux. Il est dans un cabaret. Pour ne pas parler de bizarre, j'ai dit, j'ai compris. Je pense. Donc, c'est pour dire cet aspect de mimétisme. C'est le mimétisme. Comme Martial s'est déjà marié. Et il faut Francis s'est marié. Jean-Jacques s'est marié. Obama s'est marié. Haïti doit aussi se marier. Donc, si ça ne va pas, si on ne peut pas aller jusqu'à. Parce que la polygamie, quand je le dis, aura ceci de particulier qu'elle va limiter le nombre de divorces. Non, ça va limiter le nombre de divorces. Mais maintenant, si on ne peut pas le faire, Jean-Jacques, Tatiana, t'écoutes. Si on ne peut pas le faire, s'il vous plaît, si on ne peut pas le faire, on peut faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire faire des mariages sur contrat. Un contrat de mariage de 2 ans. Très bien. Parce qu'aux États-Unis, c'est 2 ans. Après 2 ans, vous revenez voir le juge pour voir si on peut renouveler le contrat. Ou ne pas le renouveler. Merci Martial. Prenons quand même un autre aspect des choses, Francis Bonga. Est-ce qu'il y a quand même des raisons véritablement qui doivent amener à un divorce dans un couple? Si, je prends un exemple banal, hein, si vous êtes marié et à un moment donné, le mari n'arrive pas à ce que vous appelez souvent subtilement à consommer le mariage, est-ce que c'est une raison évidente pour demander un divorce ou bien, je ne sais pas. Oui, à partir du moment où la consommation du mariage est une obligation, c'est-à-dire la loi reconnaît que les époux doivent respecter la consommation, c'est ce qu'on appelle la consommation du mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parfait ici, à toute heure, j'ai dit à toute heure, même si je sors d'un voyage, j'ai dit à tout moment, doit pouvoir solliciter des lignes la consommation du mariage.
et elle a l'obligation d'accepter. Là, je suis d'accord. Si elle n'accepte pas, ça peut donc être un motif soutenable de divorce. Mais maintenant, il peut arriver que pendant votre vie de mariage, que l'un d'entre vous ait un accident. L'accident, ça peut être quoi? Ça arrive un peu plus aux hommes. C'est-à-dire que l'homme n'a plus la possibilité de pouvoir entretenir les rapports. Ça peut être pour une période. Ça peut être parce que l'homme a été fragilisé par ci ou par ça. Et qu'il faille aller vers, je ne sais pas, les médecins ou encore notre dit praticien pour faire revenir la virilité de l'homme. Mmh. Pendant cette période, donc, vous ne pouvez pas. Alors, la femme qui s'en va donc divorcer parce que vous êtes devenu handicapé, à cet instant-là, c'est une femme méchante. Ça veut dire que ce qu'on a dit à la mairie, pour le meilleur, pour le pire, elle ne le respecte pas. Parce que quand on dit pour le meilleur, pour le pire, c'est qu'on se dit qu'à un moment donné, l'un de vous peut être dans l'incapacité soit de produire, soit de consommer le mariage. Elle doit donc vous soutenir dans votre état. Vous devez donc aller voir, si même il faut aller voir les féticheurs, parce que vous savez, c'est une situation qui est que quand elle arrive, si sur le plan médicinal, on ne parvient pas à régler cette affaire, allez, vous êtes obligé d'aller partout. Parce qu'il faut que vous redeveniez homme. Mmh. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, est-ce que d'autres motifs peuvent amener quelqu'un véritablement à divorcer? La réponse, c'est oui. Si vous êtes dans une maison, on a parlé d'incompatibilité d'humeur. Il y a des maisons où le climat devient un climat de belligérance. C'est-à-dire un climat où chaque fois que... C'est Irak-Iran. Oui, chaque fois que votre femme, c'est-à-dire c'est le genre, vous ne mangez même plus chez vous. Vous savez pourquoi? Vous avez peur. Vous avez peur. Vous pouvez être empoisonné. Votre femme peut vous empoisonner. Elle peut vous empoisonner. Ça devient très compliqué. Votre femme commence à vous esquiver. Quand c'est que vous êtes à la maison, elle ne vient pas. C'est quand elle sait que vous n'êtes pas là qu'elle vient. Donc, au lieu d'appeler les enfants, vous savez, est-ce qu'elle est rentrée? Si vous êtes déjà rentrée, elle ne vient plus. Si vous vivez déjà dans ces conditions avec une personne, à quoi sert-il de continuer de vivre ensemble? Je crois qu'il est idoine que chacun prenne sa route pour éviter le pire. Et je veux vous dire que j'ai souvent vu des mariages qui se terminent d'une certaine manière. C'est-à-dire les deux époux ne vont pas au tribunal. Ils ne vont pas au tribunal. Et ils font comment? Chacun prend sa route. Je connais des mariages. Sauf qu'à ce niveau, ils ne sont pas divorcés. Hein? Laissez-moi vous dire. Je dis que ce n'est peut-être pas comme ça, mais je vous dis que je vous connais des mariages comme ça. Chacun prend sa route et chacun part refaire sa vie. Mmh. Sauf que tu ne peux plus te marier si tu es officiellement marié. Tu ne peux pas te marier si tu es officiellement marié. Et tu ne te maries pas pourquoi? Parce que tu as peur de ce qu'il adviendra si l'autre te poursuit. Très bien. Ce n'est pas parce que si tu vas te remarier, forcément, c'est il y aura un problème. Jean-Jacques, prenons quand même un autre aspect des choses. Hein. On a souvent eu, on m'a dit qu'on a vu ce genre de cas, même s'ils sont rare comme une jeune fille en Kabangondo, et où vous avez divorcé et des années plus tard, vous vous remettez ensemble et vous vous remariez. Moi, je crois à la possibilité justement de l'existence de ce genre de cas, parce que parfois, on divorce également sur un coup de tête. On divorce également par orgueil et on se rend compte justement qu'il valait mieux, si on peut parler de diable, vivre avec le diable qu'on connaît, que le saint qu'on ignore. Parce que à force de vouloir fuir la pluie, vous tombez dans le torrent. Et parfois, c'est plus dangereux lorsque vous retrouvez, alors que vous maîtrisiez quand même les limites de votre conjoint dans l'un ou dans l'autre sens. Et que moi, je pense qu'il n'est pas à condamner que les gens puissent reconnaître leurs erreurs et se remettre ensemble. Mais comme je le dis, il faut mettre beaucoup d'accent à la préparation du mariage. Mmh. Ça peut donner l'impression de ce qu'on est favorable ou bien on reste d'une durée relativement longue. Ce n'est pas mauvais de penser justement que le vient on reste à son côté positif. Parce que lorsque vous traversez quand même une période relativement longue de vient on reste, ça veut dire que vous maîtrisez un peu plus, un peu mieux, même si ça ne va pas plaire aux gens des églises éveillées ou réveillées. Mais je dis qu'ils sont des gros hypocrites. Voilà, et qu'ils sont des mauvais conseillers. Parce que généralement,
les gens qui vont dans ces églises de réveil ou de l'éveil ne fondent pas des foyers véritablement. Même lorsqu'ils fondent des foyers, ça se gâte mal, ça se gâte généralement. Donc, il faut quand même donner le temps aux gens de se connaître, de se maîtriser. Ça évite justement certaines causes péremptoires de divorce, que sont par exemple l'incapacité de la consommation du mariage, que sont par exemple les erreurs sur la personne, parce que vous pouvez penser être en train d'épouser quelqu'un qui est assis et vous vous rendez compte qu'il a plutôt ça, il y a erreur sur la personne et vous pouvez demander le divorce. On vous accorde ce divorce-là de façon péremptoire parmi les causes qui sont retenues par le Code civil dans le pays. Donc, il y a la nécessité de mieux se connaître. Il y a aussi que c'est possible, relativement à votre question, qu'on puisse se remettre ensemble. Et si vous ne le faites pas, les gens ne le font généralement pas parce qu'ils ont peur du candidaton. Ils préfèrent rester divorcés, mais de se voir. Ils s'offrent même des voyages, ils se voient régulièrement. On vous dit que la bouche qui a mangé va toujours manger. C'est des excuses de cette nature-là qui sont évoquées. Mais si vous avez compris que c'était une erreur que d'avoir divorcé, ben vous remettez ensemble, vous remariez, il n'y a pas de problème. Ça dégage que vous, c'est votre bonheur qui compte en tout cas. Merci, merci Jean-Claude. Oui, François, rapidement. Cet aspect. Oui. Pour dire qu'effectivement, le vient, on reste long. Relativement long. Ou relativement long. À ceci de particulier, pour ceux qui ont déjà enquêté là-dessus, que généralement, quand ils ont passé 12-13 ans ensemble, sans se marier, l'année qu'ils se marient, là, dès qu'ils se marient, 2 ans après, tu entends qu'ils sont très divorcés. Ça dit, ils se sentaient plus à l'aise dans leur situation de vie, on reste mieux que dans leur... Je vous dis que ceux qui ont enquêté... Ce qu'ils ont choisi de se marier, voilà. Ils ne l'ont pas fait volontairement. Voilà. C'est ils l'ont fait sur la conquête aussi que vous exagérez de marier. C'est vrai aussi que Martial Wona, les femmes vont me prendre un sandwich tout à l'heure. Les femmes sont bien hypocrites. Et qu'est-ce que j'entends par là? Tu peux vivre avec une femme 1 an, 3 ans, 5 ans, descendant. C'est quoi appeler là le vieux, on reste. Mais vraiment, c'est un ange, comme dit Jean-Jacques. Elle te présente de la belle face. Quand tu rentres à la maison, elle t'enlève les chaussures. Elle te. Elle a bouillé l'eau. Elle s'est rassurée que le travail a été. Les bisous par-ci, les bisous par-là. Vous faites 5 ans dans cette belle ambiance. Et vous mariez. Et elle soulève la bague. Elle soulève la bague. Les cornes sortent. La semaine qui suit, les cornes poussent de sa tête. Et tu te vois que son Seigneur, c'est toujours ma Mélanie comme ça, ou ma Sidoine comme ça. Ou bien c'est une autre Sidoine. Non, la réalité c'est que il n'y a pas que les femmes. Les gens peuvent croire que on peut croire qu'on en a pour les femmes. Non, il n'y a pas que les femmes. Il y a même certains hommes qui, vous êtes ensemble tous les jours, il n'y a pas de problème dans le vieux, on reste. Il ne pense pas à divorcer un jour, il ne fait pas de patrouille, mais le jour où il se marie, il est l'homme le plus fidèle du monde. Mais dès qu'il prend une famille d'épouse, immédiatement c'est l'infidélité qui commence. Il commence à dormir dehors. Il dort dehors, il va en patrouille. J'avoue que chez moi, ce sont les patrouilles journalistiques. Il est déjà l'ami de tous les magistrats, de tous les procureurs. Merci, les patrouilles parce qu'il pensait déjà comment ça fait. Il a toujours le droit au bout des nerfs. Il a tout le camion. Non, c'est pas ça. Patrouille journalistique. Je pense aux hommes d'honneur. C'est le véritable problème parce que moi, je discutais avec un magistrat qui m'avait également dit la même chose par rapport à ce taux inquiétant de divorce qui était en croissance au Cameroun. Et moi, je pense que le véritable problème, c'est que la société a failli. Nous avons une société qui devient de plus en plus individualiste, où chacun se dit, attends, je fais ce que je veux, je n'ai pas besoin de quelque chose qui me casse la tête vraiment. Madame, tu n'es pas d'accord, tu te mets de côté, va faire ta part. Si tu n'es pas d'accord, va faire ta vie, ainsi de suite. Et remarquez très bien, les gens divorcent et ils ne se remarient pas. Il reste des vieux célibataires endurcis qui vont manger au restaurant, qui font une revue de troupe des filles minces et brunes, et ainsi de suite. Ok, merci Martial. Hein. On dira merci donc à Martial, merci à Francis, merci à Jean-Jacques, tout en vous souhaitant un très bon week-end. N'oubliez pas de retrouver Sidoine Moncam pour le journal de 12h tout à l'heure. Jean-Jacques reprendra le même exercice ce soir à 20h. N'oubliez pas également que toujours ce soir, décryptage avec Ernest Obama. Demain, 11h, rediffusion de Arema
majeur. Toujours demain 21h, Panafricule avec Francis Bonga. Dimanche 11h, Club d'élite. Toujours le même dimanche 21h, Dimanche des Lions. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Bon week-end à tous et à toutes. On continuera à être content de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté de la maison, des bureaux et que sais-je encore. Le programme, c'est naturellement Tour d'horizon, une affaire des dinosaures de l'information de lundi à vendredi 10h30, 11h52. Vous avez justement rendez-vous avec 4 jeunes journalistes camerounais qui ont décidé de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité à travers leurs commentaires, leur analyse et leur décryptage. Nous sommes vendredi, on sera essentiellement relax. Vendredi 30 juin 2017 au Cameroun, c'est pratiquement la même date dans l'essentiel du monde entier. On ira justement jusqu'à 11h52 avec vos rubriques qui sont restées intactes. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun vous sera livrée tout à l'heure par Martial Tade Owona. N'oubliez pas, on recevra également une histoire épique et bien épicée de la part de Francesco Bonga. L'un de nos officiers de réserve nous retrouvera tout à l'heure probablement Jean-Jacques Zeu pour ses commentaires et ses analyses. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Francesco Bonga, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Martial, bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je voudrais particulièrement dire bonjour ce matin à toutes les personnes qui ont été promues hier, notamment dans le corps de notre armée. Je voudrais notamment saluer les généraux qui ont été promus. Ils sont nombreux, comme cela, qui étaient jusque-là colonels et qui sont donc depuis hier des généraux de notre armée. Je crois que c'est une récompense du travail bien fait. Et on a également eu vent des nominations du côté de la télévision et de la radio nationale. Je voudrais également féliciter ceux qui ont été promus à des postes de responsabilité. Je voudrais maintenant dire un bonjour sympathique ce matin à un frère qui nous écoute ce matin depuis la ville de Yaoundé. Il s'appelle Didier Mylène. Il nous écoute. C'est un bon footballeur. Il se bat comme il peut, mais c'est un vétéran. Il faut aussi l'ajouter. Je voudrais également dire un bonjour sympathique ce matin à Madame le proviseur du lycée général Leclerc, Madame Ntonga, qui est une fidèle téléspectatrice de ce programme. Bien des choses donc à Madame le proviseur du lycée général Leclerc, Madame Ntonga, qui abat un travail remarqué et remarquable. On dira naturellement félicitations, comme le faisait déjà Francis Bonga tout à l'heure. On adressera nos félicitations à nos ces désormais généraux. Et quelques heures, ils étaient encore colonels par décret présidentiel et deviennent généraux. Et parlant justement de ces jeunes et nouveaux généraux, on dira bonjour au général Lou Bazal. Le général Lou Bazal, qui est un fidèle téléspectateur de ce programme Tour d'horizon.
de temps en temps, je lui ai dit bonjour sur ce plateau et je faisais comprendre que c'était un gendarme accompli, un militaire véritablement, qui faisait très bien son travail. Beaucoup avaient estimé que c'était des atalakou. J'espère également que le président ne fait pas les atalakou. Donc, le colonel, l'ancien colonel, donc, Loubazal, est passé général depuis hier après-midi. Félicitations, mon général. Il y a également le colonel Nouma, que j'ai également connu lorsque je suis allé dans les zones du front. Et c'est lui qui pilotait l'opération Alpha. Il s'agit de cette opération du BIR pour combattre la secte islamique et obscurantiste Boko Haram. Je pense que c'est une récompense méritée. Nous avons discuté avec le colonel Nouma du côté de l'extrême nord et je suis également venu également, mais pour avoir suivi son nom 1 milliard de fois, je me dis que c'est une bonne récompense. Je me dis qu'elle travaille bien. Elle travaille bien, bonne professionnelle, d'une grande humilité aussi. Pour les avoir côtoyés, toutes ces dames qui ont été choisies, que ce soit Gisèle, que ce soit Evelyne, d'une grande humilité. C'est peut-être celle qui vient également de Douala, qui retourne la CRTV, Mireille Bissek, qui était déléguée régionale, la communication, elle y est encore parce qu'on ne l'a pas encore remplacée, et qui vient à la CRTV comme directeur de la communication. Je ne sais pas au niveau de la forme. Directeur de la communication de la CRTV, elle va remplacer Emmanuel Mbédé. Directeur de la communication à la CRTV. Elle doit remplacer Emmanuel Mbédé, je pense, à la communication à la CRTV. Il y a donc quelqu'un qui est chargé de porter la communication de la CRTV, comme le porte-parole, je ne sais pas comment c'est défini là-bas. Elle part de délégué régional à directeur de la communication à la CRTV. Je ne sais pas si c'est une promotion. C'est vrai quand même que les nominations à la CRTV depuis un certain temps sont quand même aussi compliquées. Hein. On vient de le dire à peine un an. On a eu un grand mouvement, mais à peine un an, on a eu encore un autre grand mouvement. Je ne sais pas si c'est pour faire face à la concurrence. Est-ce que les autres ont échoué? Est-ce que les autres ont échoué? Pourquoi absolument ce grand redéploiement, entre guillemets? Seuls les managers de la CRT sont mieux placés pour apporter des réponses. Marcel, vous avez une réponse? Je voulais dire bonjour. Ah. Je crois quand même que... peut-être on a voulu, comme j'ai dit, il y avait le cas d'Elmbala. La CRTV ne pouvait pas rester avec un poste aussi sensible vacant. Les conséquences, comme on ne va pas forcément bouger une seule personne, il faut essayer de redéployer ainsi de suite et ainsi de suite. Mais tel que j'ai toujours dit concernant le cas d'Elmbala, c'est ma conviction. Je dis qu'on a enfoncé une porte ouverte. Très bien. Merci. Nous allons marquer une touche, pas pause, mais prendre la première halte véritable de ce programme. C'est la revue de la presse. Marcel, on a que 10 les journaux. Les journaux ce matin, on va donc commencer avec le quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour qui revient donc sur ces textes du chef de l'État qui ont donc été rendus publics hier. Hein, des textes du chef de l'État organisant donc, portant donc nomination de certains généraux au Cameroun, hein, Paul Biya nomme donc 11 généraux. Le journal vous propose d'ailleurs les portraits des uns et des autres. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et puis bien sûr, ceux-là qui sont admis en deuxième section. Le journal en fait d'ailleurs un dossier spécial de 2 pages avec les portraits des nouveaux promus qui sont donc à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Jour. Lequel Jour parle également aussi de ce mouvement de grève donc, hein, des malades sous hémodialyse, des malades sous hémodialyse qui ont donc bloqué hier les différentes entrées des hôpitaux publics au Cameroun. Ces derniers revendiquaient justement, hein, leur kit pour lutter justement contre le diabète, lesquels kits sont malheureusement absents donc au Cameroun, ne sont donc en rupture dans les différents hôpitaux publics. C'est donc le pied de une du journal Le Jour dans sa parution de ce matin. Alors, l'orphelin est en kiosque aujourd'hui. L'orphelin de ce 30 juin revient notamment sur ce que le Cameroun est allé faire au FMI. Vous vous souvenez parfait ici que on a annoncé, hein, la presse a donc annoncé en grande pompe que le FMI venait donc en soutien au Cameroun à hauteur de près de 400 milliards de francs CFA. Et le journal L'Orphelin, qui a enquêté dans les comptes de certains ministres de la République, nous rappelle donc qu'ils sont quatre ministres qui pouvaient donc épargner le Cameroun de cet endettement auprès du FMI. Quatre ministres pouvaient donc empêcher le Cameroun de le faire. Et le journal propose donc à suffire les têtes de ces ministres ainsi que leurs noms en page 6 de ce journal. C'est donc à découvrir dans les colonnes du journal L'Orphelin dans sa parution de ce matin. Le Financier d'Afrique lui revient donc sur la stratégie
La stratégie de développement donc de l'économie numérique donc au Cameroun, la stratégie de développement de l'économie numérique, et le journal revient donc en proposant donc 5 stratégies qui peuvent donc aider les jeunes Camerounais à justement développer l'économie numérique. Selon la Banque mondiale, il faut s'inscrire sur des plateformes en ligne, requérir les compétences numériques, mais alors et surtout se spécialiser, personnaliser les programmes d'enseignement et de formation pour justement permettre aux jeunes de développer l'économie numérique dans notre pays. Parfait. Merci Martial pour cette brève revue de la presse. Mais nous avons eu la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Ce matin, nous sommes justement vendredi. On sera comme des certains 30 juin et qui fête donc son anniversaire aujourd'hui. Je lui dis joyeux anniversaire à toi. À toi, Daniel, Dany. Très bien. Que Ernest Ouama connaît d'ailleurs très bien. Malheureusement, Ernest n'est pas là. C'est incroyable. On ne peut pas affirmer. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai dit Dany, Francis, c'est pas ça. C'est une allusion à Obama, en saluant. Je ne sais pas pourquoi, non, quand j'ai dit Daniel, Daniel Dorngonon. Oui, c'est sa cousine. Ah, et c'est votre nièce? C'est sa cousine du village. C'est ma nièce, si vous voulez. Ce n'est pas possible. Ah, même mais je voudrais juste dire à Jean-Jacques qu'il s'agit de laquelle éprise. Jean-Jacques ne vous a pas dit qu'il était demandeur. C'est des informations non demandées. Renseignements non demandés. Disons quand même que... joyeux anniversaire, voilà. Disons quand même que pour l'instant, le président a donc nommé 11 généraux. Hein, si ma comptabilité est exacte, et cela ramène à 43 le nombre total de généraux désormais au Cameroun. Jean-Jacques, il y a eu un mouvement hier hein, du côté de la chaîne nationale, la chaîne de télévision et de radio nationale au Cameroun, la CRTV. On a l'impression, ce n'est qu'une impression, que la présentatrice du 20h30, Adèle Mbala, a payé cash ce qui est arrivé à l'antenne. Malheureusement, c'est ce qu'on pourrait constater. C'était assez difficile qu'il en soit autrement face à la gravité quand même de la faute, même si on peut rester humaniste, estimer que ça peut arriver, que tout le monde peut glisser. Mais vous savez, aujourd'hui, face à la concurrence, face à l'attente, face à la gravité de la faute relativement à la sensibilité du sujet qui a fait l'objet de cette faute-là, je pense qu'on ne pouvait pas fondamentalement s'attendre à autre chose qu'une sanction comme celle-là. Adèle Mbala, est-ce que la sanction n'a quand même pas été lourde à l'endroit de Mme Adèle Mbala? Ben, je n'ai peut-être pas toutes les mesures ou l'unité de mesure utilisées par le conseil d'administration pour infliger cette sanction. Elle perd la présentation du journal, elle perd le poste de directeur de l'information. Je pense que c'est suffisamment lourd si on s'en tient quand même aussi à cette sanction qui vient de ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu à travers les réseaux sociaux, à travers d'autres organes de presse. Je pense justement qu'elle a, à partir d'une seule faute, payé au moins 4 fois. Mais je pense que pour donner l'exemple de fonctionnement à la CRTV, malheureusement, ça tombe sur elle, mais on a toujours besoin de frapper fort pour montrer aux uns et aux autres qu'attention, il faut faire attention, on ne va pas badiner. Ce n'est pas parce qu'on est considéré à une certaine époque comme privilégié qu'on aura le droit de faire des fautes et avoir l'impression que l'administration va laisser faire. Je crois que malheureusement, la sanction, ce qu'il faut lire, c'est que c'est une leçon qu'on lui donne, mais qu'on donne davantage à l'entreprise pour savoir que l'heure n'est plus à la tolérance pour la tolérance et qu'on doit davantage faire attention. Mais ce qu'on peut lire de façon globale, c'est de dire quand même que cela fait quelques mois, ceux qui ont été déplacés, bougés, avaient été nommés à la tête de quelques directions à la CRTV. C'est quand même de l'avis de l'observateur, peut-être le profane qu'on est, on a l'impression quand même qu'un an, un peu plus ou un peu moins, que c'est quand même vite passé. Il y en a qui n'ont peut-être pas eu le temps d'imprimer leur marque, qui sont en train d'être partis. Jean-Marie Nka, qui était rédacteur en chef, va se retrouver à la tête de la station régionale du littoral. Le rédacteur en chef... Est-ce qu'il devient notre ami Serge Pout? Ben, Serge Pout perd son poste. Je pense Sidonie, c'est quoi qui va diriger la FM 94 ici? Sidonie Pongoli. Il y a un certain Leonardo Châtelain. C'est lui qui. Il vient à la FM 105. La FM 105. Il est c'est là-bas que Serge Pout était.
Voilà, il hérite la 105. Mm. C'est justement là-bas que Serge Pout était. C'est un bon travailleur. Mm. Peut-être enfin une reconnaissance pour Léonard Châtelain, qui a passé le temps à être affecté quand même à des zones qu'on n'appellera pas forcément seconde zone. Mais je pense que avec la concurrence des FM à Douala, il serait peut-être important pour la télévision, la radio-télévision nationale d'avoir quand même quelqu'un aussi. On mais je nommé, disais qu'il y a quand même un peu une sorte d'anticipation. Le mandat n'a pas été un peu long quand même pour mettre, pour imprimer quelque chose pour ceux-là qui sont en train de partir aujourd'hui. On a même l'impression, en attendant l'explication, qu'il y a une restructuration profonde. Sur ces mêmes antennes, on dit que le colonel Nouma était un vrai militaire. Il a également été nommé général hier. Félicitations, mon général. On ne va pas oublier le colonel Melingui. Enfin, hier encore, colonel Melingui. Et je pense que c'était le Kambé QG. C'est comme ça qu'on aime appeler. Il commandait la brigade du quartier général. Il a longtemps travaillé aux côtés du président de la République, du côté de la sécurité présidentielle, comme étant commandant en second. Donc, directeur adjoint de la sécurité présidentielle. Il a été nommé hier général. Félicitations au général Melingui. On ne va pas oublier tous les autres colonels qui ont été nommés hier. Colonel Bitoté, et généraux. Aussi. Colonel Bitoté. Félicitations au général Bitoté. Tout à fait. Très bien. Maintenant, pour les autres colonels qui n'ont pas eu la chance, le privilège ou le prestige d'être nommés, non, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à travailler fort. Il faut continuer à travailler dur. Le président, là où il est, il sait que vous abattez un travail. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour, Francis. Bonjour, Martial. Bonjour à tous les nouveaux généraux. Vous avez parlé tantôt du général de brigade Pierre Loubazal. Je tiens une fois de plus à lui présenter toutes mes félicitations pour avoir suivi un peu son parcours. Parce que lorsqu'on a quand même été à la tête de la Légion de gendarmerie de l'extrême nord, connaissant justement la délicatesse et la sensibilité de cette partie du pays, avec les coupeurs de route à l'époque, et tout ce qu'on peut imaginer comme insécurité, trafic de ce côté-là, et qu'on a été promu quelques temps après commandant de la Légion de gendarmerie du centre, ici à Yaoundé. Vous savez également que être à la tête d'une institution dans la région du centre, c'est une promotion, même si après il y avait eu un cas d'injustice qui, heureusement, a rapidement été réparé. Et il s'est retrouvé commandant la Légion de gendarmerie dans une autre région sensible, le Nord-Ouest, avant d'être promu commandant la deuxième région de gendarmerie. Il reste à la tête de cette région de gendarmerie, confirmée hier par le chef de l'État, cette deuxième région de gendarmerie qui est la plus importante, qui coiffe quatre régions, le littoral, vous savez ce que représente le littoral, le Sud-Ouest également, le Nord-Ouest et l'Ouest. Je pense que ce n'est que récompense. Et lorsqu'on a vu son activité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, il nous a habitués justement à cette gendarmerie de proximité, cette gendarmerie de présence sur le terrain, dans la lutte également contre le grand banditisme. Vous savez que le littoral, le sud-ouest, ce sont des régions qui sont ouvertes à la mer. Gérer de ce côté-là n'a jamais été une chose facile. Aujourd'hui, il est général. Il est né en 1959. Il est suffisamment solide sur ses jambes et je pense que c'est ce genre de général-là, c'est le genre qui fait encore rêver. Bien des choses donc au général Loubazal pour cette promotion. Nous allons également adresser les mêmes félicitations à son épouse. Derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Félicitations à l'épouse du général Loubazal. Marcel Rouna, bonjour. Bonjour à Parfait ici, bonjour à Jean-Jacques et bonjour également à Francis Bonga. Je dis également, je m'en joins donc à vous pour présenter nos félicitations à tous ceux qui ont donc été promus au grade de général hier. C'est une preuve, si besoin était encore, que le président de la République prend la contre-pied les nombreux détracteurs du pouvoir de Yaoundé qui ont toujours voulu faire croire qu'au Cameroun la carrière militaire se limite au grade de colonel. Aujourd'hui, le chef de l'État prouve quand même aux uns aux autres qu'on peut aller au-delà de colonel, on peut être général, être général de brigade, on peut être général de division, on peut être général de corps d'armée, à condition bien sûr de continuer de travailler pour la République. Et lorsque je l'ai dit,
Je voudrais profiter donc aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire. C'est vrai que votre microphone est très caché, hein, Marcel. Je ne sais pas si on aura toujours un bon son. D'accord. Si. Là, il est un peu plus visible, ça me rassure. Non, c'est parce que d'ailleurs, il est de gauche et moi, mon boubou s'ouvre de droite, donc ça pose un petit souci. Donc, je voudrais donc dire joyeux anniversaire à une charmante dame qui a un an de plus aujourd'hui. Il s'agit de Daniel Laure Ngono, qui est né... Même au niveau de l'organigramme, parce qu'on n'a pas nommé un nouveau directeur d'information, on a nommé les directeurs des rédactions. Je pense qu'il y a à ce niveau-là eu une évolution. Maintenant, qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Est-ce qu'elle fabrique l'organigramme d'un média classique? Vous connaissez des médias classiques où on ne trouve pas un directeur d'information? Ben, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que le conseil d'administration de la CIRTV recherche en choisissant plutôt les directeurs des rédactions que d'avoir le directeur de l'information. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de rédactions, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont attendues, CRTV Sport, CRTV, ceci ou cela. Et là, le directeur des rédactions, on comprend justement quel pourra être son rôle. Mais maintenant qu'on a encore la CRTV actuelle, est-ce que remplacer le directeur de l'information par le directeur des rédactions n'est pas compliqué davantage le travail de celui qui sera à charge justement du volet information de ce côté-là? Dans tous les cas, on souhaite bon vent à ceux qui ont été nommés. On espère justement que la CRTV ira vers de meilleurs résultats. On a aussi nommé quelqu'un au niveau d'une FM Acribie. Elle aimait déjà? FM Kribi, je crois que c'est Evelyne Golabidjek qui est censée aller là-bas. Peut-être qu'on se trompe sur les noms. Il y a FM Yagua, je ne sais pas si elle aimait déjà aussi. Il y a une autre FM Kousseri qui a un nouveau chef, qui a un chef de chaîne. Commentaire, Francis. Un projet peut-être légèrement augmenté au niveau de la station régionale CRTV Centre. On a nommé Niminga, qui est donc désormais là. La femme à la voix d'homme. À la voix masculine. Ce que je voulais coller comme remarque, c'est que en fait Jean-Jacques fait bien de remarquer que les personnes qu'on limoge alors qui perdent leur poste ont été nommées il y a moins d'un an. Oui. Vous savez ce que ça implique une nomination. On vous déplace de garde des pourdoirs là. Très souvent, vous voyez que nous sommes bien là pendant la période des congés. Vous êtes donc obligé d'aller là-bas avec toute votre famille. Vous allez trouver des bonhommes qui sont, qui ont plusieurs enfants, qui ont 7 enfants. Vous les amenez donc tous à Douala. C'est des nouvelles écoles, des nouveaux lycées. Et 8 mois après, on vous enlève de Douala pour Yaoundé. Ça implique encore d'énormes dépenses. C'est de la surchasse et tout ce que qui va avec. Moi, je crois quand même que c'est peut-être Jean-Jacques qui a raison sur le plan. Peut-être que c'est une restructuration profonde. Parce qu'effectivement, j'ai attendu qu'on remplace la vedette du 20h au niveau de la gestion de l'information par quelqu'un d'autre. On a attendu en vain. On nous a servi un directeur des rédactions, Jean Atangana, pour ne pas le nommer. Ça, j'aime lequel Jean. Jean Atangana qui est à Douala, qui est revenu à Yaoundé. Il est là, il présente. On ne peut pas confondre avec l'autre Jean Atangana qui faisait dimanche. Non, pas celui qui faisait dimanche. Mais le Jean Atangana, c'est le Jean Atangana. Actuellement, il fait une émission à 12h. Ils appellent Thermomètre. Je ne sais pas, il y a une émission. C'est différent d'Emmanuel Atangana. Oui, c'est différent. Oui, c'est différent. C'est différent. Alors, c'est vrai qu'on se perd un peu entre Jean et Emmanuel. Mais sauf que j'ai envie de c'est comme s'il y a deux Jean finalement. Parce qu'il y a Emmanuel Atangana, celui qui était à Douala et qu'on a ramené à Yaoundé. Mais maintenant, Jean Atangana. Pour le moment, je ne connaissais qu'un seul poète sincère. C'est un seul Jean Atangana. C'est le très grand frère Atangana. Lorsqu'on écoute les débats ailleurs ou sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est le même. Parce que justement, ceux qui font l'observation disent que quand même, c'est un monsieur qui a arrêté de travailler depuis au moins 5 ans. Oui, parce qu'il faut rappeler, Jean-Jacques, qu'il est parti du ministère des Finances ou de la direction de communication pour le ministère de l'économie. Oui. Où il était également à la direction de la communication. Mais quand il est parti de la direction du ministère de l'économie, on n'a pas compris où il est parti par la suite. Je ne sais pas si c'était la retraite
ou si c'était, mais c'était arrêté, on le rappellerait pas. En tout cas, on va nous préciser donc, tout à l'heure. Très certainement, on aura plus d'informations. De quel Jean il s'agit? Et si c'est l'icône Jean Atangana qui a crié dimanche midi, on saura. Si c'est un autre Jean Atangana, on saura également. Je sais que dans ces nominations, je vais quand même me réjouir de ce que Douala a généré beaucoup de responsables. Hein. Mm. Si vous avez Evelyne Golabidze qui vient de Douala, vous avez Gisèle Liminga qui vient de Douala, vous avez Berthe Mbala qui est désormais chef de station CRTV Sud à Ebolova et vient également de Douala. Je pense que des femmes comme Berthe Mbala, que je ne connais pas personnellement,